Nous sommes au milieu de l'océan Atlantique en 1781. L'esclavage est une pratique très ancienne, qui consiste à considérer un être humain, homme, femme ou enfant, comme un objet qu'on peut vendre, acheter et utiliser sans lui demander son avis, quitte à le forcer un peu. Dès le Xe siècle, des esclavagistes écument les rives de la Méditerranée pour capturer de la marchandise humaine et la revendre. Mais c'est surtout à partir du XVIe et jusqu'au XIXe siècle que s'organise le déplacement méthodique de 12 à 13 millions d'Africains. Considérés comme à peine humains, juste un peu plus intelligents que des animaux, ils sont principalement exportés vers le jeune continent américain qui a un grand besoin de main-d'œuvre. La marchandise humaine est empilée dans des soutes de bateaux spécialement aménagées pour ne pas perdre de place, bien rangées côte à côte. Les navires transportent entre 40 et 600 esclaves. Le taux de décès avoisine les 15% pendant le seul transport d'un continent à l'autre. Il faut dire que la traversée dure 2 mois. En 1781, un de ces navires négriers, le Zong, manque d'eau potable durant sa traversée de l'Atlantique. La marchandise du navire est assurée contre la noyade, mais pas contre la mort de soif. L'équipage décide donc de jeter 132 esclaves par-dessus bord pour économiser les rations et pour que le propriétaire puisse toucher les indemnités de son assurance. Ironie du sort, quelques heures seulement après la noyade d'une partie du chargement, la pluie reconstitue la réserve d'eau du navire. On peut pas tout prévoir. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité.